Le caribou est un cervidé appartenant à l'espèce des Rangifées tarandus. Le caribou, aussi appelé renne, est un grand cervidé que l'on trouve dans les toundras et taïgas arctiques en Amérique et en Eurasie. Herbivore, il se nourrit des divers végétaux qu'il trouve dans la neige. Malheureusement, cet animal est en voie d'extinction et sa population ne cesse de baisser. Le caribou est un grand mammifère au corps imposant mais élancé avec un poitrail massif, monté sur de longues pattes robustes terminées de sabots très larges. Son museau est assez allongé, et sa tête est surmontée d'oreilles courtes arrondies, ainsi que de bois ramifiés très solides. On distingue quelques différences mineures entre les différentes sous-espèces, notamment sur la forme et la taille des bois. Il possède une touffe épaisse sous le cou et une petite queue. Son pelage est assez épais, vivant dans les zones froides du globe. Sa robe varie du blanc au brun, en passant par le beige et le noir, et est unie ou clairsemée en fonction de la sous-espèce. Taille, longueur, femelle, 1,62 à 2,05 m, mâle, 1,80 à 2,15 m, garrot, femelle, 80 à 120 cm, mâle, 85 à 150 cm, longueur de la queue, 14 à 20 cm, bois, jusqu'à 100 cm de large et 135 cm de long, la taille varie selon la sous-espèce, le caribou des bois étant le plus grand, le caribou de Svalbard le plus petit. Poids, femelle, 80 à 120 kg en moyenne, mâle, 159 à 182 kg, le record est de 318 kg, le poids des caribous est très variable selon la saison, les mâles perdant près de la moitié de leur poids au cours de la saison des amours. Le caribou est un animal très rapide, qui peut facilement courir à 70-80 km par heure. Les caribous sont de très bons nageurs. Il leur arrive en effet de traverser des grandes étendues d'eau, nageant à une vitesse moyenne de 6,5 km par heure et pouvant atteindre des pointes à 10 km par heure. Le caribou vit dans les zones arctiques en Amérique du Nord et en Eurasie. Il vit essentiellement dans les taïgas, forêts boréales et les toundras, ainsi que dans les zones montagneuses au climat polaire. Nourriture et proie. Étant un ruminant, le caribou se nourrit principalement de lichens, qu'il trouve un peu partout tout au long de l'année. Il se nourrit également d'herbes, de feuilles d'arbres comme le bouleau, d'écorce, de champignons et de buissons. Il mange aussi ses propres bois une fois ceux-ci tombés, étant riche en calcium. Selon certaines études, certains rennes se nourriraient également de petits animaux comme le lemming et les poissons, ainsi que d'œufs de différents animaux. Ce comportement serait généralement observé au printemps, période de stress pour ces animaux. Les caribous sont des animaux très sociables, qui vivent en très grands troupeaux comptant plusieurs milliers d'individus. La taille des troupeaux varie cependant durant l'année, pouvant compter jusqu'à 500 000 individus pendant la migration de printemps. Les groupes sont bien plus resserrés lors de la migration d'automne. En effet, c'est au cours de cette saison qu'ils commencent à se reproduire. Cette période est d'ailleurs marquée par de violents combats entre les mâles, parfois jusqu'à la mort. En effet, les mâles dominants s'accouplent avec le plus de femelles possible. C'est
Ces nombreux efforts font d'ailleurs perdre aux mâles près de la moitié de leur poids en quelques mois. Une fois la reproduction puis la gestation terminée, les femelles cherchent un endroit idéal à l'abri des prédateurs pour enfanter. Elles élèveront et protégeront leurs petits pendant environ un an. Prédateurs. De par sa taille imposante, le caribou adulte en bonne santé possède assez peu de prédateurs. Seule une meute de loups, un ours brun ou un ours polaire peuvent réellement s'attaquer à l'un d'entre eux. Comme le glouton, l'aigle royal, plus rarement le renard, le faucon et le corbeau, qui s'attaqueront principalement aux jeunes et aux individus malades, âgés voire mourants. Les caribous sont des animaux migrateurs parcourant de longues distances, variant cependant selon la sous-espèce, chaque année. On distingue en effet deux périodes de migration, la migration d'automne, vers des zones plus chaudes pour passer l'hiver, et la migration de printemps. Pour revenir dans leur habitat d'origine. Les caribous de la toundra parcourent d'ailleurs jusqu'à 5000 km par an. C'est la plus grande migration d'animal terrestre au monde. Les caribous d'Europe et des îles gelées ont quant à eux des distances de migration bien plus courtes. Animaux diurnes, ils vivent essentiellement la journée et dorment la nuit en grands troupeaux. Pour trouver de la nourriture, ils utilisent leur bois pour déterrer la nourriture de la neige. Seules les femelles gestantes gardent leur bois pendant l'hiver, devant continuer à s'alimenter pour survivre. Vivant en large troupeau, les caribous peuvent facilement repousser divers prédateurs grâce à la force du nombre et en restant en groupe serré. S'ils sont seuls en revanche, ils tentent de fuir simplement, étant plus rapides que beaucoup de leurs prédateurs, ou chargent et se défendent grâce à leur bois. De par leur taille et leur force, les plus grands mâles peuvent repousser un ours à eux seuls. L'espérance de vie du caribou est de, à l'état sauvage, mâle, 11 à 13 ans, femelle, 14 à 17 ans, en captivité, 20 ans. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.